Hey les gamers, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Dead Island, voilà mon accent américain est totalement sorti. Dead Island Retype, voilà Definitive Edition, voilà. Donc c'est pas le Dead Island 2 parce que le Dead Island 2 est annoncé à l'E3 2013, il est toujours en développement, mais apparemment ça rame beaucoup. Donc bon, voilà. On va attendre, donc c'est pas Dead Island 2, hein. Celui qu'on va jouer c'est Dead Island Retyped, c'est Dead Island DLC si vous voulez, c'est un DLC qui est la suite du premier opus, voilà pour ceux qui ne sont pas très geeks. Parce que j'ai vu quand même sur YouTube Studio que 90% des jeunes qui regardent mes vidéos ne sont pas geeks. Alors là je comprends pas le principe. T'es pas geek mais tu regardes des vidéos de gaming. Cherche le délire quand même, hein. Allez, on va commencer à... faire la vidéo, comme ça on en sera débarrassé. Demain, oui, demain, non, pas du tout. Donc, demain, on est combien? On est 13 septembre. Ouais, donc demain, non, le 15 septembre, il y aura le test sur notre fameux Lara Croft Shadow of the Tomb Raider, le nouveau Lara Croft, qui sort le 14 septembre. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? I'm going to tell you about the worst bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoit, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, he'd be good week to relax on the beach, enjoy a tie or two. But no, that wasn't to be. Ça, le... ouais, d'accord. As I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. Non, ça aussi on s'en souvient. Ah, Amélie, back in fly. Oui, bah oui, je m'en souviens, ça. mon casque grisillé à la dernière vidéo sur Dead Island, c'est normal, c'est juste un effet que j'ai rajouté par-dessus pour faire vraiment épidémie zombie, etc. Donc, si c'est mon micro bug sur la première vidéo de Dead Island, c'est normal parce qu'en fait, mon micro ne buguait pas, c'est juste que j'ai rajouté un effet par-dessus. Voilà. An ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on me. And Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Norsby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection. N'empêche, moi, je trouve assez moche dans le jeu quand même. Benoit itself was totally isolated. Voilà, on va pas se mentir, il est assez moche. Même s'ils ont vachement amélioré la qualité d'image par rapport à la version PS3, ça reste moche quand même pour une PS3, pour une PlayStation 4 Pro quand même, parce que j'ai la PS4 Pro, ça reste assez moche quand même, je trouve. Ça fait vraiment graphisme de... Ça fait vraiment graphisme des saisons de Walking Dead en version jeu vidéo, quoi. C'est vraiment... Je trouve ça dommage que pour une PS4. Ah là, c'était vraiment mal fait, je trouve. We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Dead Island Red Tip. Dead Island Red Tip. Ok. Mon accent américain toujours, hein, les amis. Hein. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Get off me! Get it off me! Get it off! What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine.
We just need to be sure you don't pose a threat. We no threat. The threat's on Benor. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details. Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The two others will come with me. Lab? Hey, do we look like goddamn guinea pigs to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. But just stay out of it. Ah, elle a tout du coup s'en vendu, elle a mordu. Elle va répondre sa merde sur... Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Pelennoi, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here. Serpo, I've already administered 3 doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want them dying on us. What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. Oh, my head. Oh, what the hell happened? The motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. So you immune too? Il dit qu'il a pas d'effet sur lui, mais je suppose que c'est lui qui va répondre l'épidémie. Oui, bah bien sûr. C'est du connu, c'est du Parker, ça. C'est du vu, du re-revu, comme dans tous les films de zombies, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui va pas bien, et que, voilà, un jour il déconne. Et... comme dans les Rec, dans Rec 3, par exemple. Dans le mariage, au début, tout dès le début, on voit l'oncle qui va pas bien, quoi, avec une grosse blessure. On se doute bien que c'est lui l'élément clé du film, hein. On n'est pas con, hein, merci, hein. Ah là là, je sais plus quoi nous inventer maintenant, c'est dingue. So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from these bloody drugs. Oh, my head. Where'd the others get to? Did they take him while I was out? Je répète, embarquement immédiat sur l'île d'enfer, embarquement immédiat. Merci d'avoir choisi LFC Croisière. Cette note n'est pas n'importe quelle note de n'importe quel morceau de musique. Parce que ce morceau a été choisi pour accompagner un spectacle et des danses qui ne recevront pas n'importe quels applaudissements. Sous n'importe quelle piscine, à bord de n'importe quel bateau. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière NSC. Réalité, eh ouais, là vous êtes après de repartir en vacances, hein. Quelle beauté, hein, Ah là là. Ah. Allez. On est de Magic Candy. Allez. Stop. What about them? They're your problem now. You can't just leave them here. They're civilians. If I were you. Oh, le bâtard.
Et le temps que je réagisse, que je... J'analyse la situation, il y a un petit temps quand même, hein. Oh le bâtard, fils de... Oh le fils de... Oh le fumier. Your captain is dead, soldier. Bloody hell! Is that a rock? We're on a collision course. We have to get to the bridge. Bon, on va accélérer tout ça parce que là, oh, c'est trop long là. Surtout le gros là, c'est trop long. C'est parti. Voilà, 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 voilà. Oh merde. Oh merde, merde, merde. Et tous mes zombies sont morts. Voilà. Bon bah voilà, je ne sais pas si ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Ciao tout le monde, c'était Akalimer.